Salut les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour la suite des modules sur la TPL théorique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de masse et centrage. Donc normalement, la vidéo sur instrumentation devait sortir, mais j'ai préféré faire masse et centrage, puisque instrumentation, il y aura quand même beaucoup plus de choses à dire. Donc voilà, c'est parti, let's go. Traffic, traffic. Voilà, donc on se retrouve pour masse et centrage, donc le module que j'ai passé, voilà, à la suite de préparation et suivi de vol, si je ne me trompe pas. Donc on fait la transition, comme d'habitude, sur le nombre de questions et le temps de l'épreuve à l'examen pour masse et centrage. Donc on voit qu'il y a un changement concernant le temps de l'épreuve, pas de changement concernant le nombre de questions à l'examen. Toujours 25 questions à l'examen et concernant le temps, on passe d'une heure à 1h15. Donc 15 minutes rajoutées pour la version 2020. Moi j'avais passé lorsque c'était la version 2016, donc on voit qu'il y a un changement. Donc 15 minutes rajoutées, donc certainement des questions qui iront certainement un peu plus loin dans ma centrage. Nous allons regarder maintenant la liste des thématiques qu'il faudra aborder, qu'il faudra traiter dans masse et centrage. Donc si je ne me trompe pas, il y en a 6. Donc on commence avec notion de masse et centrage, chargement, principe de calcul du centre de gravité, masse et centrage des aéronefs, particularité, détermination de la position du centre de gravité et traitement du fret. Ce sont les 6 thématiques qu'il faudra traiter pour ce module. Donc il n'y a pas de grande difficulté. Si vous avez déjà passé le PPL théorique, vous avez déjà un certain nombre de notions. Là, les notions iront plus loin, mais effectivement, vous pourrez déjà vous retrouver dans le centrage et dans, par exemple, les notions sur le centre de gravité, puisque si vous faites le centrage de l'avion, vous allez voir que c'est la même démarche. Bien entendu, on ira sur des avions, sur des groupes porteurs dans le centrage des avions, mais effectivement, ce sont les mêmes démarches, donc du coup, voilà. Donc, on commence. Donc, vous allez voir la stabilité, donc la différence. Hein, vous avez déjà vu ça dans le BIA et PPL théorique, mais là, ça ira plus loin. Mais c'est tout aussi bien la même chose et la même démarche. Donc le centrage avant, les effets, le centrage arrière, les effets. Donc comme vous le savez, centrage avant, par exemple, l'avion est très stable, il y a une diminution de la maniabilité. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Donc centrage avant, donc il y a également une consommation de carburant plus importante que le centrage arrière. Centrage arrière. Tout l'inverse, donc l'avion sera beaucoup plus maniable, une diminution de la stabilité et une diminution de la consommation de carburant. Donc diminution par rapport à un centrage avant. Donc là, vous allez voir toutes les différences, vous allez voir vraiment tous les effets centrage avant, centrage arrière. Vous allez vraiment entrer dans les détails. Après, vous avez la différence. Masse sans carburant, masse de base par exemple. Donc ça a été beaucoup très difficile pour moi parce qu'effectivement comme il y a 4-5 à retenir masse en carburant, masse au décollage, donc du coup il faut vraiment faire un petit tableau. Donc c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Il faudra vraiment à l'écran je vais vous mettre le tableau ce que j'ai fait, mais vous aurez masse à vide équipée, masse à vide en ordre d'exploitation, masse sans carburant, masse en ordre d'exploitation. Donc voilà. Il y a également masse au décollage, donc il faudra bien connaître toutes les différences, savoir si jamais on vous demande, par exemple, si on vous donne un nombre d'informations avec le poids de certains nombres de passagers, et on va vous demander, par exemple, donner la masse à vide en ordre d'exploitation, la masse de base. Et il faudra savoir qu'est-ce qui rentre dans la masse de base. Donc, pas le fret, pas le carburant, etc. Donc il faudra vraiment connaître tout ça.
Donc, en faisant un tableau, c'est rapidement, c'est assez simple pour retenir, mais vous aurez des questions, il faudra bien connaître parce que les questions iront plus loin en vous demandant déjà qu'est-ce qui rentre dans la masse de base. Voilà, vous aurez différents choix de réponses, donc il faut connaître. Vous avez la modification du centre de gravité, donc en faisant le centrage sur nos avions, on sait déjà comment faire. Là, ce sera la même chose, hein, avec plus d'informations. Avec la réserve, donc beaucoup plus d'informations, mais c'est le même procédé, le même processus pour trouver le centre de gravité et surtout voir la modification du centre si jamais on enlève 1 kg à 2 cm du centre, voilà, quel impact sur le centre de gravité, il faudra le recalculer. Vous avez également le calcul du poids. Donc, du nombre de places dans l'avion, donc en fonction du nombre de places, 19 ou moins, si c'est un vol charter ou pas, si c'est un homme, une femme, donc l'homme de bagage, si c'est un vol régional ou pas. Donc, vous avez tous ces calculs-là, enfin, il faudra connaître déjà toutes ces informations pour les calculs par la suite. Un certain nombre de personnes qui sont passées à l'examen, moi également, nous avons déjà directement à l'examen, de manière informatisée, directement le tableau. Donc, faut le connaître quand même, on ne sait jamais. Moi également, je l'ai appris hein, pour savoir, hein, on ne sait jamais, mais vous avez déjà, pour un certain nombre de personnes qui sont déjà passées, ils ont déjà l'information sous forme de tableau directement à l'examen. Donc, voilà. Vous avez la quantité de carburant à prendre, donc pour un vol. Attention, donc si jamais effectivement on est resté pas mal de jours parce qu'on avait des problèmes pour trouver la réponse pendant qu'on s'entraînait, et en fait il faut faire attention si on vous donne un gallon, si on vous donne un litre. Puisque si jamais on vous dit le nombre de gallons maximum sans dépasser la masse maximale au décollage, si jamais c'est un gallon, il faut convertir en litre pour avoir la bonne réponse, donc il faut faire attention. C'est un calcul déjà qu'on fait de base, hein, puisque sur la majorité des avions, c'est un gallon, hein, nos avions, les Cessna et autres. Donc là, vous allez aller plus loin. C'est vraiment avec la masse de base, la masse en carburant. Donc vraiment, ces questions sont quand même, ils se complètent entre eux. Donc c'est pour ça que vraiment, il faudra tout connaître. Vous avez également la feuille de chargement. Il faudra savoir remplir cette feuille. C'est pas difficile hein, de remplir cette feuille. Le seul bémol, c'est les annexes qui sont de très mauvaise qualité à l'examen, puisque il y a certaines annexes, c'est vraiment assez difficile pour arriver jusqu'à la réponse. Donc c'est ça le petit bémol, mais c'est pas difficile, c'est pas difficile. Là encore, la masse en carburant, la masse de base rentre dans le même procédé pour le calcul. Vous avez le type de chargement. Si c'est un chargement via des conteneurs ou sur des palettes ou en vrac. Donc là, vous avez quand même un peu de définition. Hein, donc, pour savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, dans quel cas on les utilise. Mais voilà. Donc voilà, vous avez quand même vous avez quand même quelques définitions. Même si la majorité, à mon sens, quand même reste les calculs. Donc là, quand même, je ne sais pas si on pourrait dire, je sais pas, 90% c'est les calculs, mais une très très grande partie c'est des calculs avec un peu de définition. Vous avez la masse maximale autorisée dans les conteneurs, justement, le calcul à faire, la résistance du plancher en fonction du nombre de mètres carrés. Donc voilà, c'est les calculs qui, bon, un peu de temps pour vraiment comprendre, mais après, avec de l'entraînement, ça ira vraiment. Très simple, ça sera très facile à examiner. Donc voilà, d'où l'entraînement qui est quand même très très important. Mais après, vraiment, c'est facile à l'examen. Donc voilà, c'est ce que j'aurais pu vous dire sur masse et centrage. Pas de difficulté, beaucoup de calculs avec de l'entraînement, beaucoup plus d'entraînement. Autant il y a des modules comme doyen, c'est des connaissances, donc c'est apprendre directement les connaissances. Là, il faut maîtriser le calcul. Il faut maîtriser les calculs pour s'en sortir. Donc, faut faire attention. Il y a certaines questions qui vont jusqu'à 5 points. Donc, récemment, quand j'ai passé l'examen, j'avais des questions sur 3 et 4 points. Donc, il faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Il y a des questions vraiment jusqu'à 5 points. Donc, il ne faut pas les rater, hein, ces questions. Il ne faut pas les rater. Donc, voilà.
Si vous avez déjà vu ma vidéo sur mes résultats, vous savez, 79,31 que pour ce module, pour ma session trage. Donc, je l'ai passé avec. C'était dans la session où j'ai passé 5 modules. Donc, ma session trage, préparation, performance humaine, performance. Donc, je pense que c'est ce qui explique. Voilà, 79. C'est bien. Dès la première fois, c'est bien. Effectivement, j'aurais pu aller plus loin. Mais voilà. Et puis, comme vous avez pu le voir, 3095 QCM. Donc, autant il y a des modules, c'est 7000, 8000. Là, si c'est 3095 QCM, c'est que vraiment une grande majorité, c'est des calculs. Donc, beaucoup plus de temps pour comprendre la méthode pour arriver jusqu'au résultat. C'est ce que j'aurais pu vous dire concernant masse et centrage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain module. Bye bye, les amis!